On peut dire que Renan et Afrani étaient plus ou moins compères dans cette célèbre controverse de 1883, qu'une certaine orthodoxie musulmane ou autre, ou bien pensante, pense qu'il faut plutôt opposer. Alors en 1883, Renan est au sommet de sa réputation internationale, ou vers même mondiale. C'est le plus grand orientaliste. C'est l'homme qui a fait la vie de Jésus. Il est en train de devenir l'idéologue des républicains. Ce sera l'intellectuel le plus important de France après Victor Hugo dans les années 1880. Donc on le met au même rang que Victor Hugo. On voit donc l'ampleur de son prestige. En 1883, Afranis c'est plutôt un révolutionnaire. Alors, c'est un personnage complexe, euh, d'abord parce qu'il est d'origine iranienne, donc chiite, et il, il se fait passer pour un sunnite. Euh, il veut réformer l'islam euh, pour en faire un instrument de lutte contre la domination euh, européenne, mais en même temps, euh, il lit les penseurs politiques européens et euh, les utilise dans sa perspective. Quand il vient à Paris en exil politique en 1883, euh, c'est tout à fait amusant parce qu'il est pris en charge en quelque sorte par l'extrême-gauche française euh, de l'époque. Euh, il a des relations directes avec les deux journaux d'extrême-gauche de l'époque, euh, La Justice de Clémenceau et euh, La de Rochefort. Euh, et euh, donc, si vous voulez, je sais pas, si on faisait une assimilation avec euh, le monde d'aujourd'hui, ce serait quelque part du côté de Mélenchon ou encore plus à gauche que Mélenchon si on fait une vague comparaison entre euh, le temps d'aujourd'hui et les années euh, 1880. Donc cette personne qui en même temps milite pour un islam politique euh, fréquente en fait des gens qui sont des athées, des révolutionnaires, ou en tout cas des, des radicaux à l'époque, mais radicaux au sens fort du terme, euh, de gauche dans la société euh, française. Alors par ailleurs, il y a des intermédiaires. Euh, comme un, un ancien homme politique ottoman d'origine arabe, Chokhri euh, Hanam, euh, qui euh, a été député à la, au Parlement ottoman de 1876 et qui est maintenant en exil en France et qui va se mettre au service de la politique française dans le monde musulman. C'est dans ce contexte. Que Renan fait son célèbre article Islamisme et la science. Euh, enfin, c'est une conférence euh, au départ dans lequel il dit que l'islam en tant que doctrine religieuse est contraire à tout ce qui peut être pensé libre, donc euh, il ne peut conduire qu'à une stérilisation euh, de l'esprit humain et donc euh, l'impossibilité d'accéder à la science. Et par l'intermédiaire de Shukri Hanam, Afrani lui répond par un autre article qui n'est pas une véritable réfutation. Bon, il lui dit, évidemment, il ne faut pas désespérer des millions de musulmans, et puis il y a eu une science arabe et musulmane, etc. Et, et Renan lui répond, oui, je sais qui vous êtes, et là Renan a parfaitement raison, en un sens, il dit, vous êtes un zendik c'est-à-dire euh, quelqu'un euh, qui a une doctrine ésotérique euh, rationaliste euh, etc et qu'en effet cette couronne de pensée a toujours existé en islam plutôt chez les iraniens euh, que chez les Arabes. Donc on voit très bien que l'un et l'autre se sont bien jaugés, se sont bien compris, et dans les textes se sont remplis de euh, sous-entendus. Alors l'affaire est encore plus compliquée par le fait que nous possédons une lettre d'Afrani à Mohamed Abdou, euh, qui se trouve à cette époque-là à Beyrouth. Euh, et Afrani lui envoyant le texte de sa réfutation de Renan, mais qui est un texte qui n'est pas favorable à l'islam, il faut bien comprendre. Hein? C'est un texte presque rationaliste ou libre-penseur, le texte d'Afrani. Et, euh, et Mouraban Ramdou, je crois, de mémoire, lui répond, alors là, il y a un problème de graphie arabe qu'on a mal à déchiffrer, mais bon, enfin, ça revient à dire, soit nous couperons la tête de la religion que par l'épée de la religion où euh, tu couperas la tête de la religion par les taqtah rassadin et la basayf-ed-din, ou la l'anactar rassadin et la basayf-ed-din. Mais l'idée est donc, il euh, y a chez euh, Afrani, et dans le Moramad Rabdou de l'époque, euh, l'idée qu'on utilise, on manipule l'islam à des fins politiques. Et éventuellement à des fins philosophiques, je veux dire. Mais c'est un épisode d'une extrême complexité qui, encore jusqu'à aujourd'hui, ont amené beaucoup d'interrogations sur les spécialistes de cette région. Mais moi, je suis persuadé depuis longtemps que Renan et Afrani étaient de connivence. Donc, Jamal Adin al-Afrani, c'est un personnage absolument essentiel, dont la gloire est surtout posthume. Euh, c'est un Iranien d'origine, de descendant du prophète et qui assez tôt est devenu un militant anticolonial, luttant contre la domination européenne. Et donc ce qui peut être caractérisé chez Afrani, c'est à la fois son hostilité à toutes les formes de domination étrangère et la mobilisation de l'arme religieuse contre la domination européenne, ce qu'on appellera déjà dans son temps d'ailleurs le panislamisme. Mais en même temps, une volonté euh, de vouloir euh, rétablir la libre pensée, l'exercice des sciences, du savoir, etc., euh, dans le monde musulman. Il dira par exemple euh, un religieux qui passe sa nuit à lire un texte religieux en lueur de chandelle ne s'interroge jamais de savoir pourquoi la chandelle apporte de la lumière. Et donc, la question d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement de lire les textes religieux, mais de savoir pourquoi euh, la chandelle fait de la lumière. Donc, vous voyez le, le type d'argument euh, qu'il avance. D'où le fait que nous avons à peu près la conviction aujourd'hui qu'Afrani était quelqu'un euh, qui venait d'une forme assez ésotérique. Euh, de l'islam, de l'islam chiite en particulier, mais pas du, du chiite tel que nous le connaissons aujourd'hui, d'une autre école chiite qui a pratiquement disparu à la fin du 19e siècle, et non Afrani, est l'un des derniers représentants. Donc c'est une tendance ésotérique du chiisme, très rationaliste, qui s'appuie d'ailleurs beaucoup sur l'héritage de la philosophie grecque plus que sur une influence européenne. Euh, direct, euh, et c'est un courant qui est très très loin de la doctrine officielle de l'Iran euh, d'aujourd'hui. Alors, surtout Afrani, euh, donc euh, il a fait des trajets politiques successifs, il est allé en Afghanistan où il s'est fait passer pour un sunnite, d'où le nom d'Afrani euh, qu'il a pris, il est allé militer en Inde contre les Britanniques, il est allé plaider dans l'Empire ottoman et puis en Égypte, euh, à la fois pour une libre pensée et une action révolutionnaire. Il s'est appuyé sur la franc-maçonnerie. Euh, et donc en 1883, quand il vient à Paris, euh, naturellement, ses relations, c'est avec l'extrême-gauche Europe française. Alors Ernest Renan, bon, c'est toujours euh, euh, les grandes questions du 19e siècle, la, la question centrale de Renan, c'était de savoir comment et pourquoi les religions naissaient. Et euh, il pensait que les religions étaient produits de cultures qui, elles-mêmes, étaient le produit d'un cadre mental euh, qui était le, le produit... <laughs> des structures linguistiques, des langues, donc en quelque sorte, ils séparait le monde entre les langues indo-européennes qui produisaient une vision, disons, pluraliste qui pouvait donner le monothéisme d'un côté, le polythéisme et puis ensuite les sciences, tandis que les langues sémitiques pousseraient plus vers l'idée d'unicité. Et euh, donc, ce qui l'a amené ensuite à s'interroger sur les origines du christianisme au service de Jésus, euh, qui conduisait à dire que le christianisme était un peu la rencontre euh, entre le pluralisme des langues européennes, et enfin, du monde européen, et l'unicité euh, venue euh, de la pensée euh, sémitique. Euh, donc, ça, c'est le grand système de Renan. Alors, Renan est à la fois très respectueux des gens de religion, mais très hostile à tout ce qui est religieux, au sens où il voit dans la religion le danger du fanatisme, de l'interdiction de la pensée libre. Il décrit donc que l'Europe, par exemple, de l'Inquisition, était contre la pensée libre, contre la science. Et en ce sens-là, l'islam n'est qu'une forme exacerbée de toute tendance à re, des religions à s'opposer à la euh, pensée libre. Alors, on, si on prend les termes d'aujourd'hui, on peut penser qu'en général, parce qu'il a, a écrit tout le contraire de Trou, euh, Renan, parce qu'il a écrit pendant longtemps aussi, et il a beaucoup écrit, euh, mais enfin, en général, on peut penser, en lisant Renan, qu'il voit l'identité de l'islam comme quelque chose de stable, de fixe, eh, qui ne peut pas vraiment bouger même si dans certains textes parfois il dit que les choses peuvent changer, mais euh, dans les grands textes en général, il n'a en faisant ce qu'on dirait en langage d'aujourd'hui une vision essentialiste, c'est-à-dire qu'il ne peut pas euh, bouger. Mais euh, cette vision de Renan a été d'abord contestée déjà de son vivant par un certain nombre de philosophes de et d'orientaliste, euh, et euh, d'autre part euh, a conduit euh, toute une réflexion, qui est d'ailleurs celle de la fin du XIXe siècle, si vous voulez. La, la discussion que Renan fait entamer est une discussion qu'on a encore aujourd'hui au XXIe siècle. Euh, Quelle naissance a donné à la réforme de l'islam euh, et selon l'expression de Lord Cromer en Égypte, le proconsul qui gouvernait l'Égypte à la fin du XIXe siècle et qui cite Renan souvent, il euh, y a l'expression qui dit « Reform Islam is no longer Islam », c'est-à-dire l'islam réformé n'est plus l'islam. Et en ce sens-là, euh, les renaniens euh, diraient toujours que l'islam ne peut pas changer qu'un islam réformé n'est plus l'islam tandis que les autres disent que l'islam réformé c'est le vrai islam et... et voilà bon ma position à moi c'est un musulman de choisir hein. ben, la réponse d'Afrani comme on l'a dit euh, c'est une réponse qui dit qu'il ne faut pas sacrifier les musulmans euh, à cette vision des choses et que toute religion est hostile à la libre pensée. Euh, c'est pour ça qu'Afrani n'est pas euh, quelqu'un qui réfute euh, Renan. Il, il, il s'y associe largement. Mais là, il faut aussi comprendre qu'il y a une stratégie d'écriture. Euh, Renan, c'est une immense personnalité intellectuelle, c'est un des plus grands personnages intellectuels de son temps. Et Afrani, encore à l'époque, euh, quelqu'un qui est un exilé politique, un révolutionnaire, qui est surtout connu par les fiches de police euh, que l'on a euh, sur lui. Euh, Afrani ne deviendra un grand personnage qu'au XXe siècle, après sa mort, euh, quand ses textes seront redécouverts et publiés par Rachid Rida, et où il sera considéré comme le fondateur d'une certaine vision de l'islam d'aujourd'hui. Mais en 1883, c'est un personnage très secondaire. Donc on peut comprendre que quand Afrani s'adresse à Renan, il, il prend des précautions de langage, il essaye de le mettre dans son camp. Euh, il y a une disproportion des personnages à ce moment-là. Afrani était un Iranien, il n'avait pas. Bon, il parlait l'arabe, c'était pas un grand styliste de la langue arabe. Amoram oui. Euh, donc, il est simplement l'incarnation de ce qu'on appelle le réformisme musulman, euh, tel qu'il s'exprime dans le dernier tiers euh, du XIXe siècle. là aussi, avec une question qui s'allait savoir si. Il fallait réformer l'islam ou islamiser les réformes. C'était le grand débat euh, de l'époque. Euh, disons que les hommes d'État ottomans et autres euh, considéraient qu'il fallait plutôt islamiser les réformes, c'est-à-dire donner un contenu islamique aux réformes créant un État moderne. Euh, et une société moderne, tandis qu'Afrani était quelqu'un qui se posait euh, en réformateur de l'islam. Et quand on voit ses textes, on voit que clairement, il se revendique des réformateurs européens. Son modèle, c'est Calvin ou Luther. Euh, et on voit très bien comment, justement, on est dans une société où on commence à connaître l'autre. Puis puisque celui qui veut réformer l'islam se euh, prend comme modèle des grands penseurs ou des grands acteurs de l'histoire européenne euh, elle-même. Et son public, bon, qui est un public d'intellectuels et d'hommes politiques euh, dans le monde musulman, comprend parfaitement la référence à Luther ou à Calvin. Alors ensuite, euh, bon, c'est un révolutionnaire, il, il mourra en exil dans des conditions que certains considèrent comme troubles. Je pense que ce n'est pas en réalité le cas dans les années 1890 à Constantinople, mais c'est surtout au début du XXe siècle, quand ses œuvres vont être republiées, réunies en livres, etc., que sa réputation va s'accroître euh, considérablement. Euh, et c'est au XXe siècle qu'on fera de lui un personnage essentiel euh, de l'histoire de l'islam. Euh, au XIXe siècle, mais ce n'était pas de son vivant. Euh, il y a un certain nombre d'années, j'étais avec un ami qui était professeur d'arabe, Gilbert Delannou. Euh, nous étions à Istanbul, à Yoldeuse, au palais de Yoldez, et nous cherchions désespérément la tombe d'Afrani, puisque nous savions qu'il avait été enterré à Yoldeuse, sans s'être rappelé qu'en fait, dans les années 50, il... Sa sépulture avait été renvoyée en, en, en Afghanistan pour les grandes cérémonies euh, de réanimation, ce qui était d'autant plus surprenant qu'en fait, il n'était pas du tout afghan. Mais comme il avait le nom d'Afrani, euh, les Afghans avaient réussi à obtenir de la République de Turquie le transfert des cendres. Mais ça montre l'importance qu'il avait dans la seconde moitié du XXe siècle. Mmh.